Salut les amis, c'est Bigouf, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans World of Tanglitz. Aujourd'hui on va parler de ce qui s'est tramé dans la boutique de Wargaming. Comme vous le savez, ils ont remis un char qui était déjà, qui a déjà fait son apparition, le fameux lot du RAM 2. Alors on va regarder très rapidement ensemble, donc au moment où la vidéo est faite, il reste 5 jours, le moment où elle va être postée, il ne restera que 4 jours. Il était disponible que 7 jours, mais bon, il y a eu le week-end, en plus un super beau week-end, je vous raconte pas que j'en ai bien profité. Donc voilà, alors on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il nous propose avec ce lot du RAM 2. Donc comme vous le savez, hein, il a déjà été présenté plus d'une fois sur ma chaîne. Je vous invite pour les nouveaux d'aller voir un petit peu ma playlist boutique Wargaming pour vous donner un aperçu de tout ce qu'il y a comme char qui a été mis en vente. Donc s'il y en a peut-être un que vous avez raté, il y aura peut-être la possibilité de le revoir prochainement, sachant que comme vous le savez, hein, de toute façon, dès qu'un char refait son apparition dans la boutique, je me ferai un plaisir de vous le montrer en démonstration, que ce soit son historique, vous avez compris, je vais vous montrer dans les moindres détails. Alors, celui-ci vous est proposé à 14,99€, donc vous avez le fameux RAM 2 qui est un char moyen américain de tier 5, vous aurez bien évidemment la place de garage qui va avec, 2900 pièces d'or et 3 jours de compte premium. Donc ça c'est à vous de faire votre choix. Donc on fait un petit peu le tour du propriétaire. Absolument, donc qui est assez original. Alors ce qui est marrant c'est qu'on voit qu'il a la tourelle en fait qui est un peu déportée par rapport au châssis, ce qui est assez original, hein. c'est pas courant. Donc après je ne connais pas l'histoire de ce char là, mais franchement il est assez original, moi j'aime bien. Ensuite on va regarder, voilà, donc comme je vous le disais, je vous montre systématiquement les caractéristiques, comme ça, ça vous donne un aperçu s'il peut vous intéresser ou pas, hein. Donc on regarde en simplifié, et après pour ceux qui sont friands de détails, absolument, Bigouf se fait un plaisir de vous faire dévoiler un petit peu tout ça, voilà. Ok, alors voilà, donc vous avez vu un petit peu, donc faut pas oublier, ça reste un tier 5. Alors, la seule particularité qu'il va avoir ce chat, oh dis donc, je l'ai bien dit, particularité, c'est comme on peut voir au niveau des munitions, vous n'avez pas de HE, vous n'avez que des AP ou tout simplement des APCR, qui est autrement dit des obus gold. Alors, donc c'est pas mal, donc voici un petit peu ce que j'ai mis en moi en équipement. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'ai mis pour l'instant. Comme vous le savez, hein, d'ailleurs, les équipements vont bientôt changer. On attend la mise à jour avec impatience pour voir un petit peu ce qui va se passer de ce côté-là. Donc, je pense qu'on a fait le tour du propriétaire. Voilà, ce qui est assez bien. Maintenant, moi, ce que je vous propose, hein, comme d'habitude, on va partir tout de suite au combat pour voir un petit peu comment il se dépatouille sur le champ de bataille. Allez, souhaitez-moi bonne chance, les amis. C'est parti! Nous partons à Temple Perdu et c'est pas perdu pour tout le monde, j'espère pas pour moi du moins. Oh la petite blague, oui bon ok d'accord, c'était la petite blague du jour. Alors j'avais une question qui était pas mal du tout, alors vous me direz en même temps dans les commentaires si je me trompe pas, parce qu'il y en a certains qui me disaient « Bigouf, comment on peut savoir si un char gold ou pas ?» Alors théoriquement, j'ai bien dit théoriquement, je ne sais pas si on le voit sur tous les chars, il me semble que théoriquement si, mais quand vous avez un char qui vous tire à la gold, donc là c'est de la PCR pour ce modèle de char, on va le différencier comment, c'est regarder, donc là je vais faire un test, je vais tirer donc dans la pierre, regardez, alors, je sais pas si on va, ouais non, ça, on va pas le voir, c'est qu'en fait quand vous allez recevoir l'impact, vous allez voir une couleur qui va différencier, donc théoriquement si je ne dis pas de bêtises, les obus standards ça va faire un trait blanc, et les obus gold vont faire une couleur un peu or tout simplement. Voilà, vous me direz dans les commentaires si c'est vrai ou pas, mais il me semble que c'est ça. De toute façon, théoriquement, on le voit quand ce n'est pas de l'obus standard. Allez, c'est parti, on va commencer notre premier client par un Finu. Et attention, parce qu'il n'est pas tout seul. C'est parti, alors vous voyez quand même qu'il a une super cadence de tir. Ça, ça fait vraiment plaisir, toi, toc là. Et oui, voilà, hop, superbe ricochet. Ah, là ça, attends, passe pas. Ah non, attends, on va se mettre là. Oh. Non, mais non. Oh, mais toi, ça va, tranquille. La vie est belle. Ah, là, c'est mon canon qui a regardé le sol. Ok, bon, on va aller chercher ce chinu. Et comme vous voyez, 2 secondes 7 en cadence de tir, c'est juste énorme, les dégâts que vous pouvez faire. Et paf, là, il est pour nous. Ok, on va aller chercher le Matilda. Donc, vous avez vu, voilà, ça rentre, hein, tranquille. Voilà, bon, il m'a fait un peu de dégâts, ce qui est normal. Voilà, allez, on va essayer de le finir. Hop. Voilà, 101. Le saloupio, il me l'a piqué. Ok. Non. Attends, ne t'énerve pas. Va pas trop vite quand même, parce que je te sens motivé. Bon, ça fait plaisir. Oui, on arrive. Attendez. Parce que là, on s'est fait 2 médiums et 1 léger. Il nous reste encore les lourds. Hein. Ça va être peut-être autre chose. On a
On a perdu un camarade. Ouh, attendez. Hop, on va rester là. Hop là. Allez. Donc théoriquement, celui-là, il est pour nous. Voilà. Alors là, on a un Stug, voilà, qui brûle. Oh là 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 là. Alors là, KV1, est-ce que ça va traverser? Alors là, ça va être autre chose. Il danse en plus, il est pas bête du tout. Bon, alors, donc là... vous m'expliquerez, je n'ai pas vu l'obus. Alors, attendez. Ouais, là, forcément. Ok, voilà, ça c'est fait. Bon, bah nous, on va partir par là. On va essayer de grimper, même si on n'aura pas le temps, de toute façon, de... On va se balader. Tiens, on va coucher même un arbre, voilà. Oui, ok, c'est pas sympa pour la faune et la flore. Je suis d'accord. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu. D'ailleurs, on voit celui-là, il a été déraciné aussi. Ouais, alors pour la première bataille, franchement, super. Non, franchement, je ne vous cache pas, les amis. C'est vrai que ce char est assez sympa à jouer. En plus, vous avez vu la cadence de tir, franchement, qui n'est pas mal du tout. Bon, malheureusement, ils ont eu 2-0 dans leur team. Pas de chance. En plus, c'était... Ah non, je croyais que c'était E2. Ok, donc nous, on a fait un score de 1073 avec 2 kills, ce qui est pas mal du tout. On va regarder tout ce qui est crédit par rapport à la première bataille. Donc, n'oubliez pas, si vous vous achetez ce char, mes amis, vous avez 3 jours de compte premium, mais nous, on va parler, bien sûr, hors premium. On est quand même à 13 777, qui est pas mal du tout pour un tier 5. On va regarder la première expérience, enfin, les x2 pour l'expérience du jour. Bon, voilà, ça... Très bien. Moi, je dis... J'achète. Bon, comme vous le savez, moi, de toute façon, je collectionne tous les chars, donc ça fait un petit moment que je possède déjà ce RAM 2. Bon, bah, ce que je vous propose, c'est on va refaire une deuxième, parce que là, c'est pas mal du tout. Et là, cette fois-ci, nous partons à Middleburg. Oh yeah! Alors, ce qui est bien, c'est qu'on est toujours top tier. Donc ça, ça fait plaisir quand je dis top tier. Pour ceux qui ne sauraient pas, ça veut dire que nous n'avons pas de char au-delà de notre rang à nous. Ça veut dire que nous, on est rang 5. On n'a pas de tier 6. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire que nous sommes top tier. Absolument, ouais. Alors, on va juste faire gaffe, c'est au KV1. Parce que le KV1, vous avez vu, hein, il va être quand même assez difficile à pénétrer. Bon, après, seuls les professionnels iront jeter un coup d'œil, hein, aux caractéristiques plus poussées pour savoir un petit peu combien de millimètres il peut pénétrer le blindage. Allez, c'est parti. Alors là, on va faire gaffe, on va certainement rencontrer donc le T28, le M5 Stuart, et ouais, bah, de toute façon, on va en rencontrer beaucoup. Alors nous, on va passer... Ouais, je vais le mettre par là. Ok. Allez, on y va, c'est parti. Non, par contre, je sais pas comment j'ai pu esquinter sa chenille. Alors là, on va faire gaffe, parce qu'on a le... Voilà. On a le fameux Stuart qui est là. Ok. Donc, il a préféré rebrouter ses mains. Non. Par contre, toi, t'es toujours là-bas. Ok. Oula. On va reculer un petit peu. Beuillant. Oh, bah, tu vas où? Voilà. Là, j'ai fait le... Voilà, attention. Là, j'ai raté. Angler un petit peu. Voilà. Comme ça, ça a fait phénomène de ricochet. Bon, écoutez, vous savez quoi? On va aller chercher tout de suite ce Panzer 4. Allez, on y va. Ok, là, c'est moi qui a fait... Et boum. Et kaboum. Et reboum. Ça, c'est fait. KV1 qui est là. Pour l'instant, je vais pas m'en occuper. Je vais aller chercher tout de suite le M7. C'est bon en bas. Salut mon pote, très bien que tu t'es mis là. Reste là. Voilà. Bon là t'es un peu foutu, hein. Voilà, ok. Donc là on n'a pas de gun, on n'a pas de HE pour le fameux Menace 4C, comme vous le savez, voilà. Donc là on va se faire plaisir. Voilà. Ensuite, nous avons un B1. Donc là le B1, il se peut... Ah non, sur le côté ça passe facile. Ok. Bon, très bien. Alors, voilà. Qu'est-ce que... Une saxeur. Donc là, on va essayer... Alors là, ça va être plus dur. Là, le KV1, on va aller le voir un petit peu de plus près. Voir un peu qu'est-ce qui va passer en obus standard. Eh ben, regardez derrière, ça passe tout seul. Voilà. Aïe. Bon, ben, voilà. Donc voilà. Donc le meilleur moyen pour avoir ce KV1, c'est tout simplement de le... Tapez à l'arrière, ça sera sûr, vous n'aurez pas besoin de golder.
Donc ça peut en plus rapporter énormément. Donc là, bien sûr, je suis resté en face. J'aurais pu très bien éviter de me prendre un shoot, hein, ce qui m'a fait perdre des crédits. On va regarder de nouveau les scores. Bon, je vous cache pas, les amis, c'est vrai qu'on voit 1, 2, 3, 4-0 dans leur team. Bon, bah, tant pis, c'est comme ça, c'est pas de ma faute. Hein. C'est pas moi qui fais les équipes. Nous, on s'est fait un beau score, en tout cas, de 1664 avec 4 kills. On va regarder tout ce qui est crédit cette fois-ci. Donc, il n'y a plus de x2. Hein. C'est vraiment, voilà, vous vous éclatez pour le plaisir. Avec ce chat, on est quand même à 24 519 de crédit hors premium, ce qui est pas mal du tout. On regarde un petit peu de l'expérience, donc 100x2 cette fois-ci. Et bah, franchement, très très bon chat. Bon, après, bien sûr, il y a l'équipe aussi. Hein. On aurait eu les... Je pense qu'on aurait eu les 4-0 dans notre team, pardon. Il se peut que ce sera très très mal passé. Donc moi, ce que je vous propose, comme je parle très très bien... on va partir pour une dernière battle avec ce fameux RAM 2 et théoriquement on arrive à se faire le 3-0. Allez, on y croit? Ouais, je pense que vous êtes derrière, on dit vas-y Bigouf, on y croit. Allez, c'est parti avec ce RAM 2. Voilà, je vais essayer de ramer. Bon, en tout cas, ce qui est vraiment cool sur les trois parties qu'on a eues ensemble, c'est qu'on n'a pas eu... On est resté toujours top tier, excusez-moi, ma langue un petit peu forcée. Voilà, donc ça c'est cool. Alors les amis, attention, petite question, le KV1, on peut l'avoir comment, sans golder? Bravo, par derrière, absolument, ouais. Bon bah moi de toute façon, là, la question se pose pas. Non, pouvez venir m'aider s'il vous plaît? Non, là-haut. Allez, hop, les amis, hop. Je vais faire gaffe quand même. Bon, apparemment, ils ont pas l'air motivés à grimper. Ok, alors, on va pas faire n'importe quoi. Non, non, laissez tomber. On va rejoindre les autres, parce que là, forcément, ils ont une majorité de médium et de léger. S'ils arrivent tous en haut d'un coup, là, on va être perdu, on va être perdu dans les premiers. Hein, donc, on va pas faire n'importe quoi. On va rester avec les lourds. On va soutenir les lourds. Les lourds. Alors, on voit quand même 40 km/h en vitesse de pointe. Allez, on va se faire la ligne droite tranquillement. Oh, c'est pas mal, 37, voilà, 37 à plat, 38, 37, ouais, on est pas mal. Qu'est-ce que je conduis bien. Oh là 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 là, Bigouf, tu mets pas tous les jours. Non, excusez-moi, c'est mon petit délire. Oh là, attention. Allez, c'est parti. Bon, bah, j'ai bien fait d'avoir refait demi-tour, et puis, voilà, regardez, on en a perdu un. Déjà, ça commence. Alors, là, je crois que, je sais pas pourquoi, les amis, je sens que les zéros vont être pour nous. À mon avis, je pense que le... Alors, attendez. Ok. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est qu'une chenille, ça me pose pas de problème. Pierre, je serais d'avis, c'est... Oh là, attention, il y a un Anko qui envoie des cucunis là-bas. Et que j'ai complètement raté. Ok. Est-ce que... Oh non, il est passé juste au-dessus. Allez, c'est parti. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Oh, mais non. Oula. Reste là, toi. Reste là, mais non. Ouh. C'est la guerre, c'est parti. Allez. Allez, saloupio. Ouais, par contre là on a intérêt. Ouais, c'est bon, il l'a eu, très bien. Oh bah attendez, lui je suis sûr qu'il va vouloir se mettre. Attendez, je me suis coincé, bêtement. Et déjà. Toi, hop là. Allez, c'est parti. Très bien. Non, mais non. Oh la vache, elle s'était tendue là. Le B1, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Qu'est-ce que nous... Ah, un KV1, ok. Alors on va se faire tout de suite le B1. Attends. Hop là, tu vas où? Ok. Bah, qui c'est qui se fait le B1 là tout à l'heure? Il y en a un qui est en train de l'allumer. Ah bah j'ai raté. Des fois ça vous perturbe pas d'avoir le curseur qui arrête pas de jongler comme ça. On a l'impression que les canons ils sont bizarres, vous avez des fois ça... Alors, ok, maintenant on fait quand même gaffe là, donc comme vous le savez le KV1 ça va être par derrière là, ça va être un petit peu plus... Est-ce que de là-bas... Ok, alors...
Alors, là, c'est parti, nous. Alors, j'ai pas fait gaffe, par contre, le canon qu'il avait. Bon, on est parti en tout cas pour. Non, on va pas capturer la base, allez. À l'attaque. Voilà. Lui, il va. Oula. Ah, bah, ça passe sur les côtés. Pas raté, sûr. Non, reste là. Reste là. Reste là. Et voilà, magnifique. Absolument, ouais. Bon, je vous avoue, au début, je l'ai mal senti, cette partie. Mais on s'est, ça s'est très vite retourné. Ouh, eh ben, ça fait plaisir. Alors, bon, bah voilà, comme je vous disais, on a eu un 1-0 dans notre équipe. En tout cas, vous pouvez voir, hein, ce char, on est encore à 1567 de dégâts avec un kill, ce qui est vraiment très bien. On va regarder, donc, pour cette dernière bataille, les crédits. On est encore dans le positif, hein, vous avez vu, 20178, hein. En plus, on a utilisé des consoles, ce qui est vraiment très bien. On regarde un petit peu l'expérience, donc bien sûr, sans premium, hein. On parle toujours hors premium. Bon, bah franchement, les amis, un bon petit char à posséder. Comme vous pouvez le voir, hein, franchement, super, on va dire, il est homogène pour ma part. Voilà, sans rentrer dans les caractéristiques détaillées, comme je vous le dis, hein, je ne suis qu'un pur amateur de World of Tanks Blitz, hein, pas un professionnel. Mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous le montrer en démonstration. Maintenant, à vous de me dire si il vous intéresse ou non. Au prix de 14,99€, vous avez 2900 pièces d'or et 3 jours de compte premium. On va dire, ce qui est le plus intéressant, c'est l'or. Alors, ça fait toujours du bien. Gardez-le, comme ça, le jour où vous avez un événement, vous pouvez l'utiliser à bon escient. Moi, c'est ce que je fais. Bon, les amis, je ne vous embête pas plus longtemps. Maintenant, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez un peu de ce RAM 2. Moi, franchement, j'adore ce char. Il est très sympa. Pourtant, c'est un médium. Comme vous le savez, je suis plus fan des lourds. Mais bon, voilà, ça reste quand même un très bon char. De toute façon, tout peut être des bons chars, hein. Maintenant, il faut avoir leur préférence. Moi, ce sont les lourds. Et voilà. Allez, je vous embête pas plus longtemps. En tout cas, je vous souhaite une agréable vidéo. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine aventure. Allez, d'ici là, portez-vous bien, à la prochaine. Ciao !